Salut à tous, Isaac Frostifi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Isaac V. Isaac V. Voilà le nom de ce concept. En fait, c'est simple. C'est quand Isaac, il est pas en service de police. Donc voilà, quand il a fini sa journée, ou bien quand il travaille pas tout simplement. Voilà, c'est Isaac V. Isaac en civil, quoi. Vraiment pas en bac, hein, attention. Isaac en civil. C'est-à-dire que voilà, il est plus policier. C'est vraiment Isaac V. C'est quand il travaille plus en police et que voilà, il veut se promener. C'est vraiment voilà détente. Voilà. Donc bah nous, écoutez, on va sortir un petit peu. Il m'a l'air de faire beau dehors et je pense qu'on va faire un petit peu de sport. Voilà. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Voilà, vous le voyez tout le temps en police. Là, voilà, vous le voyez vraiment dans un autre contexte. Il est vraiment plus en police du tout là. Alors, je vous présente mon véhicule, Mégane RS. Voilà, véhicule civil avec lequel voilà, je fais mes courses, avec lequel je vais rejoindre des amis ou etc. faire des balades. Donc voilà, c'est vraiment le véhicule principal d'Isaac, tout simplement. Bon. Donc du coup, nous, on va se promener un petit peu. Je pense qu'on va aller faire un petit tour sur la plage. Il commence à faire beau. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, très heureux de vous retrouver, comme d'habitude. Là, franchement, je vais essayer d'être vraiment actif. Je sais que je dis ça tout le temps, mais là, je vais vraiment essayer d'être très actif. Surtout que, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas vraiment le temps, mais voilà. Dès que j'ai un temps, je fais une vidéo maintenant, ça va être comme ça, je pense. Voilà. Je pense on va faire ça comme ça. Donc les vidéos qui arrivent, ça va être quoi? Ça va être bien sûr de la police, mais on va en faire vraiment un petit peu moins maintenant. On va plus privilégier les boulot jobs, je pense. Donc voilà, de la police. Quoi d'autre? De la police, des boulot jobs, du GTA 4, parce que oui, il y aura du GTA 4. Quoi d'autre? L'armée de terre aussi. Voilà, on va faire ça aussi. Et peut-être d'autres jeux. Je sais pas encore lesquels, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour le programme enfin le programme des jours à venir. Ça va être un petit peu ça. Voilà, c'est vrai que là ces derniers temps, je vous ai fait pas mal de vidéos en police et là on va en faire un petit peu moins maintenant. Il y en aura bien sûr toujours. Mais voilà, on va privilégier les boulot jobs, etc. Donc voilà. Et ah oui, aussi il y a les courses de voitures aussi. Bon, ça c'est il y a surtout c'est surtout une partie de mes abonnés qui aiment bien ça. Pas tous, mais bon, après quand vous voyez si vous voyez une vidéo enfin si vous voyez une vidéo une série qui ne vous plaît pas, vous ne regardez pas, c'est tout, hein. C'est comme un magasin, vous cliquez sur ce qui vous plaît, quoi, c'est tout. Alors, est-ce qu'on est bientôt arrivé à cette plage? Ouais, on est arrivé. Je sais pas si on peut prendre un petit vélo, on va faire une petite balade en vélo, tranquille. Je vois ce qu'on peut faire. Hop. Donc là, vous avez vu, on respecte bien le code de la route. Voilà. Il est quelle heure? Il est déjà 17h20, putain. On va faire un petit peu de sport, on va faire peut-être un footing ou de la détente, je sais pas. En tout cas, voilà le petit concept de cette série, vraiment bien sympa, je trouve. Isaac V, voilà. Isaac quand il est pas policier. C'est aussi simple que ça. Allez, on avance un petit peu. Là, je pense que au niveau des footings, là, il doit y en avoir plein à cette heure-ci. Il doit y avoir pas mal de footings. Ça, c'est évident. Oh là là, mais il y a des feux rouges à tous les 100 mètres. C'est grave, ça, quand même. Il n'y a que des feux rouges, en fait. Oh là là. Vous avez vu, là, le réflexe que j'ai, là, c'est de quoi? C'est de contrôler le type de vent, là. Mais là, comme je vous l'ai dit, on est en civil, donc voilà, on reste calme, hein, on se calme un petit peu. Voilà, on n'est pas au boulot là. Là, on est juste en civil, tranquille.
Bon, je pense que nous, on va se garer là. Hein. On va se garer là. Hop. Ouais, on va se garer ici. Voilà. Je sais pas combien coûtent les places de parking ici, mais... Attendez, on va mieux se garer que ça quand même. Voilà. Voilà, nickel. Allez. On va partir faire un petit peu de sport. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, voilà, faut faire du sport régulièrement pour être en forme comme d'habitude. On va faire un petit peu de sport. Alors, est-ce qu'il y a des gens là? Ah, il y a personne là qui font... Attendez. Je regarde un petit peu. Ah, si on a quand même des gens qui font du sport, bah c'est cool. Peut-être qu'on va rencontrer quelques connaissances, je n'en sais rien. On va bien voir. Ok, il y en a pas mal qui font de la muscu là. Bon, du coup, je fais quoi? Je fais un petit footing ou on va faire de la musculation? Bon, allez, on va faire de la musculation là. On va sortir les muscles, on va sortir les pecs. On va sortir les pecs. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à travailler? Bon, déjà, on va commencer par s'échauffer, bien gentiment. Je pense que je vais commencer par m'étirer. Allez, c'est parti. On commence tranquillement. Concentration. On étire bien ses membres, histoire d'être prêt. On va soulever des grosses charges aujourd'hui, je pense. Je vais voir ce qu'on peut faire. Là, ça va, j'ai l'air plutôt en forme. Donc, on va voir. Allez, on s'étire, on se concentre. Allez, maintenant, on va enchaîner quelques pompes, là, je pense. On va enchaîner quelques pompes. Je vais me mettre où? Je vais me mettre là pour les pompes, à l'entrée. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh. Allez, on continue. Notre but là, on va faire aller 30 pompes pour commencer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on se repose un petit peu. Allez, allez, allez. On respire. 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on prend un peu notre respiration. 13, 14, 15, 16, 17. Allez, on a la moitié. 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Ok, bon, c'est bien. Bon, maintenant qu'on a commencé par les pompes, on a les bras bien échauffés. Donc c'est parti, maintenant on va commencer à sortir les pecs. Attention. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, ouais, je suis parti au KFC hier, là. Les abdos sont pas trop tracés, là, on va pas se mentir. Mais bon. Ça veut pas dire qu'on n'est pas là, hein. On a de la force, hein, bien évidemment. Allez, on va faire un petit peu de traction, je pense. C'est parti. Ah, allez. Voilà, c'est bien. Allez, on continue. Allez, je vous dis, c'est que le début de la séance là. Allez, on continue. Concentration. Voilà, détente, détente. Allez, on va faire une petite pause là. Allez, hop, on continue. Allez, c'est bon. Petite pause. Petite pause là. Ouh. Putain, mais le gars, il est déterminé. Mais attendez, j'ai regardé un petit peu. Ouais, bon, lui, on voit qu'il est là depuis longtemps. Hein. Il est là depuis longtemps. Et il s'arrête pas le type, hein. Il est vraiment déterminé le gars. J'ai l'impression qu'il peut rester là toute la nuit. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'étirer, on va faire un petit peu du yoga. Eh bien non, vous savez quoi? On va faire des abdos un petit peu. Ah, faut que je travaille un petit peu les abdos là quand même. Allez, on y va. Allez. Voilà. On continue. Voilà, on prend une petite pause.
Allez, on continue. Voilà. Ah, moi je vous le dis, hein, les gens, ça fait toujours du bien de faire un peu de sport. Hein. Ça fait toujours du bien. Si voilà, si vous savez pas quoi faire, sortez de chez vous, faites un peu de sport. En plus, c'est l'été, c'est génial. Allez, on va faire encore deux séries d'abdos et puis après on va passer à autre chose. En plus là, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Si c'est pas beau ça. Allez, voilà, maintenant on travaille les côtés. Tac. Voilà. Nickel. Allez. Moi je vous dis, dans un mois c'est bon là. On a les abdos qui sortent au max. C'est ce qu'il faut. C'est le but là. Allez, dernière série. Voilà, nickel. Bon, allez, c'est bon. On a fini avec les abdos. Regardez, vous avez vu là, je commence à transpirer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un petit peu de yoga. Allez, on va se détendre. On s'étire, bien évidemment. Voilà, on étire les jambes comme il faut. Au top. Voilà. Là, c'est bien. Nickel. Allez. Voilà, on s'étire, on s'étire. Voilà, c'est nickel. Concentration. Voilà, nickel. Bon, on en a fini avec ça. Donc maintenant, les charges. On va passer aux charges. Par contre, j'ai l'impression. Oh putain, le gars, il est. Oh, laisse tomber. Ah ouais, rigole pas lui. Bon, au final, c'est bon. J'ai un petit peu. J'ai eu la place là. Donc, allez, c'est parti. On soulève les charges. Oh allez. Ah, c'est extrêmement lourd. Hein. Allez, on soulève ça tranquillement. On n'a pas de la force, nous. Hein? On a de la force, n'est-ce pas? Allez, on soulève, on soulève. Allez. Allez, on tient, on tient. Ok, c'est bon, vas-y, on va s'arrêter là. Oh, c'est bon. Oh, putain, c'était chaud. Allez, voilà, moi je trouve que c'était vraiment une bonne petite journée de muscu. Là, on est vraiment en forme, c'est bien. C'est très important d'entretenir son corps. Vraiment, entretenez votre corps. D'accord? C'est important. Bon bah du coup nous c'est bon, on a fini, en plus il n'y a plus personne là, c'est la nuit. Du coup on va rentrer. Bon effectivement je ne suis pas en service, mais quand même on va quand même regarder s'il n'y a rien d'anormal dans la zone quand même, hein. On va regarder, tout m'a l'air d'être bon. Oula, attendez. Bon, je suis en civil, normalement j'ai quand même une arme sur moi au cas où. L'arme, c'est vraiment si ça part vraiment dans des délires, laisser tomber quoi. Mais bon, je vais juste leur demander de partir de la zone parce que bon. Je suis pas en service, mais quand même, je vais leur demander de partir parce que. Voilà. Bon. Bonjour messieurs, ouais, s'il vous plaît, vous m'écoutez? Je vous demande s'il vous plaît de partir de la zone, s'il vous plaît, réellement. Oh là là, ça sort des armes. D'accord. Ça sort des armes. Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Putain. Oh putain, c'est pas possible. Ok, j'ai besoin de collègues là. Ok, fallait bien que ça parte. J'ai besoin de collègues s'il vous plaît. Tra là là, c'est pas possible. Décidément, dans cette ville vraiment, c'est. Tu peux même pas être en civil tranquille quoi. Ah là là, c'est pas possible. Putain, ah. Putain, vite. Oh là là là, les collègues s'il vous plaît, venez les collègues. Oh là là, heureusement il s'est pas trop visé parce que là. Ok, les collègues, est-ce qu'ils sont là? Oh putain, il y en a même en haut. Il y en a même en haut là. Il commence à monter lui. À toi. Arrête. Putain, les collègues, vous foutez quoi là? Ils sont combien là? Putain, c'est pas possible. Ah là là, je savais que c'était chaud quoi. Regardez, il est en haut, il est en haut. Vise en haut, mais c'est quoi ça? Des policiers quoi? Putain, mais le mec, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi tu montes? Bon. Lui, je vais essayer de l'arrêter. On va tenter de l'arrêter, le gars là en haut. Bon, toi, t'arrêtes. Je vais me noter, lui. Ok, c'est bon. Ok, ils ont tous été abattus, putain. Oh là là, c'était censé être une journée musculation tranquille, quoi. Putain, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Ah là là, bon. Malheureusement, journée qui finit mal, fallait bien s'y attendre. Ah, c'est pas possible. Bon, bah les collègues, hein, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. J'étais passé par là. Attendez, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, on va sécuriser la zone, là. Ah, c'est grave. Putain, regardez le nombre... Ah, ok, d'accord, ils sont dans l'appartement. Ok, collègues, essaye de voir... essaye de rentrer dans l'appartement pour voir, là. Putain, c'est grave. On peut même pas passer une journée tranquille, quoi. Je suis hors service, normalement. Et je serais même pas payé pour ces heures supplémentaires. C'est grave. Non, je vous dis, cette ville, dans cette ville, le banditisme est énorme. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, normalement, on n'était pas en police. Hein. C'est Isaac V. Donc, voilà. Isaac, quand il est pas en service. Mais vous savez, hein, un peu, voilà. J'étais en civil quand même, donc voilà. Allez, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine.